Nous, notre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombad Media là, là depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Et bien, nous pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Bon, normalement, on voit que c'est un prélude de l'organisation de carnaval qu'a fait dans Port-de-Paix. Et nous connaissons pertinemment comment l'insalubrité a lié, surtout dans la zone Sahel. Et nous-mêmes, étant que SNGRS, qui dans le domaine a travail pour réduire l'insalubrité qui vient dans le pays, nous sommes obligés de monter dans la cité de Capoua-la-Moa pour nous rencontrer avec toute autorité qui est impliquée dans la gestion et organisation carnaval et carnaval national qui a fait dans le Port-de-Paix. Donc nous t'ai rencontré avec magistrat communal là, nous parlé avec le téléphone, lui mettait à la disposition nous toute quatre mairies pour te faire une visite de prospection pour nous garder sur combien de mètres ou kilomètres que défilé carnaval est ça a fait. Nous rencontré avec commissaire de police, avec directeur départemental police là, nous rencontré avec commissaire du gouvernement, nous rencontré avec toute autorité qui est dans la zone là et au niveau local. Donc je dis à nous discuter avec la mairie qui approche nous, capoter nous-mêmes SNGRS avec la mairie pour nous permettre que nous une gestion saine qui fait avec question insalubrité qui a bien sur tout parcours carnaval. Donc moi c'est que c'est son toute première, mais nous allons continuer le travail avec et la mairie qui c'est lui-même qui gagne lead dans la question de propriété qui a géré commune. Et nous suggérons pour créer une task force entre eux, côté que discussion va commencer dès demain pour connaître que besoin yo et qui est ce qui a fait quoi pour ne pas avoir une duplication dans le travail pour faire yo et puis pour le travail pas fait. Donc il y a uni yo pour un travail bien fait et je pense que c'est ça tout. Et président Jovenel lui-même l'a demandé pour que tout le monde mette tête ensemble pour que le carnaval la réussisse non seulement en couleur mais pour ça nous gagne en termes d'insalubrité pour que nous gardions au fur et à mesure notre travail sur yo pour que le carnaval là bien passé dans le département et nord-ouest là avec disons et plus particulièrement dans la commune Port-de-Paix. Et en termes de matériel, est-ce que SNGRS lui-même l'a côté support? Bon, normalement, et chaque institution a une carence de matériel, ça a besoin pour continuer le travail là. Mais chaque monde bon côté par a porté ça au gagné pour permettre que nous fassions résultante et ces résultats qui fait que et 3 jours carnaval là bien passé parce que nous avons pour nous prendre prise de ça qu'a fait là, nous pour nous prendre charge de ça qu'a fait là avant carnaval là, pendant carnaval là et après carnaval là. Je trouve que ça c'est une opportunité pour non seulement pour le mais pour Nord-Ouest parce qu'il y a quelques travaux qui ont commencé dans le projet route Kafoujof en sa folle que le président a gagné, il était pour faire promesse à la population nord-ouest là. Donc le travail ça va pour aller plus vite, son occasion pour travailler ça va aller plus vite. Parce qu'il y a des étrangers qui ont rentré là, fort là, on est accessible à machine, à moyen de locomotion qu'il a utilisé pour venir là. Donc c'est une opportunité. Et nous battons bravo pour la présidence. Pour initiative pour faire carnaval national là dans Port de Paix et grand paquet l'autre opportunité encore côté que monde qui a un restaurant, monde qui a un hôtel, monde qui a un caille privé tout, yo ka profiter occasion pour faire un petit chouchou. Dans le cadre pour opter ville SNGRS présent, ils viennent faire une expertise pour capable dans qui mesure nous capable et rentrer dans la propriété parce que nous connaissons avec visite et une série de cadres, avec touristes, avec une série de monde que nous ne pouvons pas recevoir. Tout côté dans le carnaval, il est important pour nous capable de motiver dans ce sens pour nettoyer, capable de faire plus, pour capable de plus grande envergure. Et c'est une raison qui fait gouvernement et de conseil avec première dame non, et penser à ça depuis quelques mois au mois de novembre, je pensais mettre bureau SNGRS dans Port-de-Paix pour capoter renfort à degré de salubrité qui gagne dans la ville pour capable rendre la ville accessible à tout le monde qui vient pour venir. Et nous connaissons que Jean-Ville Latéa, nous connaissons que
au fil des temps, il y a une amélioration qui va faire avec la présence SNGRS et puis deux conseils avec la mairie. Que nous allons commencer dès lundi avec le travail jusqu'à arriver dans le période carnaval. Et le travail, ça autour, il a continué même après le carnaval parce que toujours gagné, disons, toujours gagné Paul Cap 10 au nord-ouest, que c'est une ville qui sale, mais très bientôt, ville Port de Paix, je m'excuse, pour aller tourner une ville qui est plus propre à travers la République. Concernant l'activité carnaval excellent, et que premièrement, m'a félicité le président de la République et son excellence, M. Jovenel Moïse, qui était prend initiative ça et en décembre pour que carnaval et 2021 capable d'organiser dans le département du Nord-Ouest, à savoir commune Port-de-Paix. Et côté grand pile monde, et depuis des années, carnaval national qu'on a organisé dans l'autre département. Yo. Et tout l'autre département a bénéficié, mais Port-de-Paix et Nord-Ouest pas jamais et bénéficié carnaval dans l'histoire et Port-de-Paix, carnaval national. Et mon Nord-Ouest pas jamais pensé tout si Nord-Ouest est capable un jour bénéficier carnaval national vu à tronçon route Kafoujof et Port de Paix et disant sa fouleur. Donc et côté yon promesse président fait et l'état bay route Kafoujof Port de Paix. Donc à cause route ça qui tellement te difficile et route n'a pas de bon, donc pas de monde qui te espéré si carnaval t'es capable et national t'es capable organiser Port de Paix. Mais avec président Jovenel Moïse, donc nous vinn joindre route ça qui en chantier. Côté en majorité tronçon en route là et loin là où de la travail. Donc et ça qui en terre battue, ça qui déjà coulé asphalte, ça veut dire que nous avons plus l'espoir que route nord-ouest ça et sous Jean président parler avec les rapides là la nuit qu'on la journée et technicien TPTC CNE à travail. Donc nous pensons route ça déjà prêt côté pour recevoir et tout le monde qui a venu dans le carnaval national dans nord-ouest. La situation dans le pays à la rue quelques jours. Je pense que tout le monde doit comprendre que les organisés dans le pays pour faire terroristes intérieurs, cela veut dire que une série de vagabondages qui ont fait dans le pays, ont utilisé le matériel de l'État, ont instrumentalisé certains et policiers pour être capables de faire des forfaits dans la rue et puis pour laguer toute bagaille et sous l'institution policière là, et sous dos l'État. Parce que l'on est pour machine service de l'État. Ou a fait gagoutay avec plaque, ou fait toute qualité bagarre avec elle, ou prend des policiers, ou convertis en militants politiques, ou gen zam nan men, ou qui pas, et gen numéro, zam yo trafiqué, et nek sa ou nan la rue, a nous pas contre sa nek yo après la zam sa yo, définitivement, comme MJ Sot dit là, gen ou enquête qui ouvert, et en retenant le résultat enquête là. Parce que, autour de situation ça là, gon paquet de paroles qui parlent, moun fait comprendre ses présidents te baye l'autre, moun fait comprendre ses persécutions politiques, mais depuis 2 ans et demi, il y a crasé le pays là. Tout le monde qui a fait là, il n'y a pas en pile là. Si le président Jovenel t'a envie de touiller, on pas qu'il y a déjà qui a été mort. Avec il faut comprendre que tout le monde qui a passé dans le pays là, c'est justement parce que nous d'accord que le gouvernement, son gouvernement qui est élu démocratiquement et qui a adopté démocratie, ça veut dire côté nous là, à cause de l'état de droit, conseil de bagaille nous pas gain l'attitude pour nous faire. Cela veut dire que à faire des persécutions que n'a pas parlé, à faire de et gouvernement chercher ennuyer monde, pas rien toute belle bagaille ça là. Il s'agit que nous gon pays là, nous tout qui responsable l'état, nous c'est des hommes d'état qui a prend des dispositions pour garantir la sécurité des vies et des biens en dans pays là. Et gain de nèg là bas là, c'est ton pays là qu'il te nèg bay gaz. Bon, on pensait que côté nous arrivons là, il faut comprendre que bah, elle a campé, parce que bah, elle a duré trop. C'est exactement ça la situation là. Depuis qu'il y a de côté, c'est des points stratégiques. L'État doit empêcher les gens de passer la donne, pas faire de démocratie la donne. Avec ce côté nous est là, Jodia, il faut que les gens comprennent que Jodia, même le monde a vivre dans l'État démocratique. Mais il y a des côtés, l'État a l'air d'où que il y a des bagailles qui ne sont pas faites, il faut attendre, parce que même dit bagaille, démocratie à l'état de droit qui s'allie. Quand on doit commencer à cela, doit pas me finir. Ça veut dire faut que nous comprenions que aujourd'hui là, nous ne sommes pas capables de prendre la démocratie à base de démocratie. Et puis tout le monde fait ça ouvre la donne. Faut que nous comprenions que aujourd'hui là, oui, nous avons fait démocratie. Oui, mais il y a eu trop loin des fois. Alors, la police saute sur une note, lui dit que lui pas d'accord, manifestation passée sur l'aéroport. Et pour l'équipe nèg levé, ils ont décidé de passer sur l'aéroport. Alors qui est-ce qui fait là? La police ou bien les nèg ça qui met le pays à?
faut que nous comprenions tout. Ça veut dire que côté nous là aujourd'hui, il faut que nous fassions avec mesure. Tout le monde dans le pays a fait ça au vrai. Parce que, tenez bien, c'est le choix le cap galonnet. Bah, il n'y a pas qu'à ça encore. Mais la situation de kidnapping qui est là, son bagaille pratiquement que, qui fait pour déstabiliser le pays. D'ailleurs, tout kidnapping est dirigé vers l'État, comme si c'était l'État qui kidnappait le monde. Mais nous-mêmes qui journalistes, nous avons dit ça à bon côté. Nous-mêmes, nous sommes de courir des mondes. Et je dis à qui intérêt l'État gagne pour faire kidnapping. Et si l'État a fait kidnapping alors, vous pensez que c'est malheureux l'État a kidnappé, là? Vous pensez que l'État a kidnappé un problème, l'État a kidnappé au bito? Vous avez dans la rue à monter des sangs, qui raison l'État a gagné, l'État a kidnappé malheureux. Avec dit, faut que monsieur nous garde bailleux pour nous comprendre. Ça gagne là, je dis, à son situation pour nous déstabiliser le pays. Et nous avons déstabilisé le pays, parce que vous avez besoin de pouvoir. Et si je dis là, nous-mêmes, nous là, nous sommes des responsables d'État, nous avons des garanties pour nous bailler la population, nous avons des garanties au correctement et nous avons cap marcher dans la rue à comprendre les bagailles faciles là. C'est pour nous comprendre que aujourd'hui là, c'est pour nous marcher sous 13 jours pour ne pas piler 14 jours. C'est pas que vous montez cap fait là tout. Moun que vous identifiez, vous pouvez le compte qui est sûr, parce que vous avez des enquêtes cap fait là, c'est pour ça la fête. Parce que, bon, vous pensez que c'est normal que aujourd'hui là, tout n'a pas parlé de 7 février, pral gen de l'eau, pral gen la rime, pral gen sang. Ou pensez le normal qu'un citoyen qui dit que son leader, les campé, monsieur a fait promotion la voulance pareil. Avait dit, les négats ou pral gen de l'eau, pral gen la rime, pral gen sang. Sans qui est-ce? Sans qui est-ce? Et de l'eau, ça pral couler. De l'eau a pral couler pour qui ça? Alors, 7 février 86, tout le monde qui était vivant, ouais, j'en barre ça a passé. Alors, je dis à là, on est pensé au Kavin rééditer ça là encore. Eh bien, pas gagné l'État dans le pays. L'État a campé contre tout vagabondage qui vient pour fête là dans le jour Kavin là. Et pas gagné qu'un nèg cap chita là, cap d'accord que aucun monde menace vie personne monde et menace propriété personne monde. Nèg yo prend pose y'a défendre une majorité qui n'a misère. Nèg y'a pète majorité en plus misère. Et nèg yo méchant envers majorité ça. Bon groupe nèg dans le pays. Groupe nèg ça, c'est dans ça seulement au fort, c'est dans craser, dans briser, dans déchouquer, c'est dans baïsa ou nèg plus fort. Nèg yo introduit par le Lebrun en 1986. En 2018, là, nèg yo introduit une ménage, li kre le loc. Alors je dis à la pour l'État tachita, li kite nèg ap continuer à faire un pays ça, pendant que faction saine en dans la population là, t'as même vaqué à l'occupation, t'as même un petit à l'école. Mais je ne pas réaliser que c'est celle qui a eu droit dans le pays, il y a violé droit tout le monde, il fait monde dans la caillou, ou pas qu'à travailler, ou pas qu'à manger, petit ou pas qu'à l'école, comme si. Tenez bien. Monsieur, même nous, même qui journalistes là, c'est pas un bagage pour nous tolérer les gars pour continuer à faire un pays là toujours. Ils écrasent les gars pour craser un pays là. Et bagaille, ça n'a pas qu'à continuer. Les gars besoin de pouvoir. Que les gars en élection, calendrier électoral dehors. Que les gars commencent à me ressouvrir au sérieux dans le pays pour qu'on sache quoi le faire dans l'élection. Mais c'est pas affaire de venir camper là, venir parler de craser, briser, de déchouquer des bagailles. Alors l'État bien là lui-même, il prend le chital, croiser bras, il quitte Négal, déchouquer mon. L'État clap, chital, quitte Négal, il n'est pas le bras. Ouais, ma voix, mon cher, faut ne pas comprendre bah, là, comme ça. Situation que là, c'est pas une situation que on est quand on écrit là carrément, on dit mais ça va le faire. Parce que côté nous, je dis là, faut qu'on plan. Et s'il y a un plan, plan, je vais cacher ta m'dire dans la presse. Mais sauf que je vais garantir, ça que là, nous allons battre avec pour camper. Et ça va pas continuer encore. Pour aller ouais, trois points, à savoir. Arrestation, 4 policiers hier au Antigouave. Et deuxième point, sous situation d'enlèvement, séquestration, côté que DCPJ va parler avec nous amplement. Et manifestation à travers les rues, côté que DCPJ a lui-même va faire intervention. Nabdi, effectivement, gagné 4 policiers qui interpellent hier. Ces policiers, bon, Fritz, Jean Elifet, 24e promotion, qui lui-même sont policiers qui en instance de renvoi. Gagnant Joseph Edivens, 28e promotion. Gagnant tout Bouplan Becker, policier 26e promotion. Également Zidor David, policier 27e promotion. Nous joignons en possession de eux trois âmes et pistolet, également 2 M4, yon la den yo,
yo falsifié. Pour le moment, enquête là liée au niveau de l'inspection générale, côté que l'inspection générale ouvrit une enquête concernant quatre policiers sérieux. Nous pas anticipé, il y a des informations qui a traité au niveau de l'inspection générale au moment opportun ou du moins dans une prochaine conférence de presse. La première mesure pour que nous élaborer concernant interpellation trois policiers sérieux. Et nous parler tout des situations d'enlèvement qui pratiquement créent panique à travers tout côté sa fête et nous même moi tout au niveau province, mais nous ouais concentration quand on va dire épicentre lancé au niveau zone métropolitaine là. En pile famille touchée de ça, société a pratiquement révolté et nous réaliser tout bien des comportements développés tout suite à ça. À savoir, à chaque fois qu'on situation de kidnapping, nous réaliser que Mounio mettait caoutchouc, Mounio pratiquement bloqué la rue. Mais nous comprenons le comportement ça. Parce que dans nos situations, c'est famille, c'est petit, ça arrivait, nous connaissons que le révoltant. Mais tout, la police, lui-même, il a une responsabilité de maintien d'ordre et sécurité. En quitter instance qui là pour ça traiter dossier a, et nous habitué faire son situation que nous avons traité depuis des années et nous toujours pour des résultats. C'est certain ça capable arriver des cas bon l'autre mode et comparativement j'en étais dans les années 2004 2005 2006 mais au niveau de la direction centrale de la police judiciaire gagner structure ça qui là qui traite question ça à savoir c'est le contre-enlèvement qui a travaillé et qui a enquêté plus sur dossier ça. Gagne tout pour question manifestation, hein, que nous toujours dit que son droit constitutionnel, que quel que soit monde, quel que soit groupe, secteur, gagne droit manifester dès que la police notifiée et la police a pris des mesures pour qu'elle soit capable d'accompagner eux, bas aux sécurités, également monde qui a manifesté eux et monde tout qui pas manifesté. On rappelle sous manifestation. Donc, mission de la police, c'est accompagner eux. Sécuriser manifestation. Mais ça mande yon coordination entre la police et groupe organisateur. Dans ce sens, on pourrait que li important pour notifier la police. C'est de notifier la police, il faut que nous entendons nous sous parcours. Par exemple, nous pourrait jour qui était 20, la police te gen 3 manifestations qui t'a sorti même côté, qui t'a pral même côté. Mais que l'organisateur n'a pas entendu à la police là sous parcours. Bon, excepté un groupe qui était d'accord sur ça. Moi, je voulais attirer l'attention sur des nouvelles mesures que l'OACI prend, l'Organisation Civile Internationale prend, et il a fait l'État obligation pour un rayon dans la zone aéroport, pour l'aéroport être ouvert et fonctionnel, faut que la zone ça n'est pas sujet à troubles à l'ordre public. Et c'est sous base ça qui fait que route aéroport dans rubrique ça pour sécurité internationale sécurité aéroport nous pas quitter manifestation monter là-dedans nous fait déviation sur Delma 33 et n'a pas que la police des groupes qui pas marcher dans dynamique là et ça fait que la police a été obligée utiliser des mesures des moyens forts pour capable maintenir l'ordre. La police a là pour accompagner manifestants yo. Et la police l'a demandé pour organisateur encore une fois nous coordonner ensemble nous planifier pour toute manifestation capable de dérouler dans un climat serein dans l'ordre et la discipline. Route aéroport nous n'est pas sujet à des troubles à l'ordre public surtout qu'on connaît les manifs ont des tendances chaque côté manif n'a passé mettez caoutchouc brûler caoutchouc donc c'est dans ce sens ça décision ça venir. Donc l'État, pour aéroport opérationnel, l'État courbe à ensemble de principes. Donc, si l'État courbe à ensemble de principes pour régir fonctionnement aéroport, moi-même, quand je parle là, je connais, je me fais 8 ans comme directeur, comme responsable, commissaire aéroport, je connais ça, Mabdoula. C'est des bagailles que je me suis connecté là, mais l'organisation a demandé à ce que l'État mette plus en phase sur eux et respecte. La police là, au contraire, là pour protéger les droits de l'homme. Par exemple, pour dire rapport aux Nations Unies, on parlait de 2018-2019. Et on voit que
nous pas dédouaner, nous pas dédouaner, mais n'a dit que mission la police là c'est protéger moun, protéger droit moun et faire un usage qui proportionnel par rapport à menace. Donc manifestation yo et parfois ou la donne moi-même toujours observer li m'a dit que la police la gagné pour mission accompagner manifestant yo et permettre que pendant que manifestant yo a exercé a joui droit yo pour manifester l'autre monde qui pas manifester yo gen droit pour y vaquer à occupation yo. Et la police gagné pour faire équilibre ça. Donc c'est mission la police pour le rétablir l'ordre quand l'ordre public est menacé. Sur la situation qui s'est produite hier en début de soirée à Miragoâne ayant débouché sur l'arrestation et la libération de l'ancien sénateur Nenel Kassi, j'ai instamment, en ma double qualité de supérieur hiérarchique des commissaires du gouvernement et de l'autorité qui relève directement la police nationale d'Haïti, sollicité un rapport de circonstance. L'objectif de cette courte conférence de presse est de présenter à la population les éléments fournis par ces autorités judiciaires et policières. Il faut noter d'entrée de jeu que la manifestation d'hier était émaillée de violences, de casses, de bris de vitres, des véhicules, de vols de téléphones et d'actes de vandalisme. Pour la satisfaction de tous, je dois rétablir les faits, la vérité. Suite à l'arrestation, avec le support sans faille de la population, plusieurs individus, respectivement à Tigouave et à Miragoâne, dont certains munis d'armes lourdes, se réclamant de la PNH, l'ancien sénateur Kassi s'est présenté en personne pour exiger la libération des personnes détenues au commissariat de Miragoâne. Selon le commissaire du gouvernement, qui a ordonné de par lui-même, sans interférence d'aucune autorité relevant de l'exécutif, l'ancien sénateur, face au refus des policiers d'obtempérer, il a demandé aux militants qui l'accompagnaient de libérer de force les détenus. C'est donc à ce moment précis qu'il a ordonné son arrestation. À noter que les individus arrêtés dans la zone de Tigouave avaient fui Miragoâne après avoir pointé leurs armes automatiques sur des policiers en service qui les questionnaient. Je dois souligner à l'encre forte que ceux qui disent que l'ordre d'arrestation provenait du président de la République ont honteusement menti. Le président n'a donné aucun ordre à quiconque à ce sujet. Par la suite, il s'est révélé que les hommes armés que la police avec la population ont contraint de corps sont des policiers qui travaillent pour le compte de l'ancien sénateur. Ils étaient ses gardes de corps lorsqu'il était sénateur de la République. Ce qui est encore plus grave, selon les premiers éléments dont disposent les enquêteurs de la police nationale d'Haïti, ces armes de guerre que ces policiers portaient sont trafiquées. Les armes non trafiquées, la police n'a pas retracé si c'est la donne yon balle sautie. Il y a d'autres faits accablants et extrêmement graves. Quelques jours avant,
le commissaire du gouvernement de Miragoâne avait intercepté un véhicule, une Nissan Patrol, appartenant à l'ancien sénateur, à l'intérieur de laquelle se trouvait sa mère. Cette Nissan Patrol portait la plaque immatriculée SE-03-107. SE-03-107. Cette plaque est une plaque qui est portée disparue et qui est affectée à un véhicule de marque Lenquageur du Palais National. Cette plaque était recherchée par les autorités policières. Depuis lors, cette Nissan Patrol de M. Nenel Kassi se trouve entre les mains des autorités judiciaires et policières pour enquête approfondie. Le commissaire, comme chef de la poursuite pénale, qui analyse l'opportunité de poursuivre, a estimé que, vu que l'ancien sénateur est une personnalité politique très connue et qu'il a un domicile connu, il a des garanties matérielles de représentation. Et vu que la liberté est la règle, la détention l'exception, il a décidé de libérer M. Kassi en l'enjoignant de rester à la disposition de la justice. Le dossier poursuivra son cours au cabinet d'instruction qui pourra établir les liens qui existent entre ces individus détenteurs d'armes trafiquées avec l'ancien sénateur. Le cabinet d'instruction aura la largesse également de tirer au clair cette histoire de la plaque SE-03-107 qui appartient au Palais National et qui se trouvait bizarrement en possession de M. Nenel Kassi. C'est une enquête judiciaire qui est en cours. Je demande donc à tout le monde de donner la possibilité, la chance à la justice de faire son travail. En toute indépendance, en respectant les garanties judiciaires, je dois aussi ajouter que militants politiques et opposants politiques ne sont pas synonymes d'immunité. Nous sommes tous passibles par devant nos cours et tribunaux. Bonjour. Si tu me portes en toute précision, vous avez des détails en plus sur et phase 1 qui est faite dans le travail ça. Avec financement du Japon, comme ça qui t'a dit par UNICEF, si tu pas, tu as des possibilités pour réaménager 6 réservoirs dans la localité, dans l'ensemble des localités qui sont dans la commune. Lorsqu'à au bas là. Donc nous avons 6 localités qui sont dans la commune après pour nous voir centre-ville là. Localité ça, c'est dans Mat, côté de la Jodia, c'est la colline, c'est Flandé, c'est Marché Cassav, c'est Cadido, c'est Lospine, c'est Boispin, c'est toutes localités qui totalisent une quantité de 8700 personnes qui Jodia là, qui a besoin de l'eau potable pour boire et pour faire l'autre activité pour faire. Donc nous gagnons 6 sources aussi qui réhabilitées et captées dans 4 phases du projet SAIOA que nous allons garder. Il y a une source qui est tout près de nous là. Dans la zone ça même, nous gagnons 2 sources. Mais c'est une chance de chance garder parce que n'est pas trop accessible à pied. Donc c'est ça, nous allons garder ensemble avec tout ça là. Côté nous capter de l'eau pour bailler la colline, Flandé, Marché Cassab, de l'eau. Et de l'eau, ça, faut que tu mettes des précisions. Nous jouons de l'eau, ça, 24 heures sur 24. Nous regardons, j'ai la poule là. J'ai la poule là, ça qui est en bonne idée. Que pas de ratement dans l'approvisionnement dans la zone ça. Sous-mat, c'est une 6 sources que nous captons dans la localité pour approvisionner la population. C'est une source qui gagne pour débit. Entre 6 à 8 litres secondes suivant que sinon période de la pluie ou bien période sécheresse
et c'est un sous-tout qui alimente la population directement sans pas même besoin de passer par un réservoir. Pour qui ça? C'est parce que il n'est pas trop élevé et puis côté le situé à permettre directement d'alimenter la population. Et nous allons regarder là, sous sous cela, nous installons un système de chloration qui, pour nous assurer nous, que la population non seulement lui joigne de l'eau à temps, mais lui joigne de l'eau qui traitée. Donc nous allons entrer pour nous capables de garder espace là, qui comment les constituer. Et moi dis ça, c'est une parmi six sources que nous captons et nous gagnons dans la commune Tadido, une dans la commune Lospine, une dans la commune localité alors Boapin, dans la commune Lascarobas. Ou après petit clôture ça là, il y a une signification très forte pour dîner pas. Parce que nous avons trois périmètres que nous définissons dans le référentiel technique dîner pas. C'est ça qui est le périmètre immédiat sous cela. Ça, la loi fait dîner pas une obligation pour définir le périmètre immédiat sous cela, PM. Mais il y a l'autre périmètre qui est le périmètre rapproché, qui allait au-delà de 100 mètres jusqu'à 500 mètres, ça c'est wall ministère environnement. Bien un périmètre qui est le périmètre éloigné, ça c'est hydrogéologue pour doué définir ça ne les champ captant sociaux pour nous capable toujours kembe sociaux en vie pour pas tari pour nous dire moun yo pas couper pied bois sous tête sociaux. Pas faire d'autres activités qui capable mettre nos situations. Les gouvernements, les son excellent Jovenel Moïse avec PM Lang fait nous honneur pour nous visiter infrastructure ça yo pour apprendre un petit temps pour jouer nous information qu'il dit comme ça que gloire pas arriver dans robinet kaimoun yo. Faut que nous goumen pour ça et faut que nous tout ma connaissance pour nous pour ça capable continuer une réalité visible et palpable aux yeux de tout le monde. En 2012, le premier venu, Lascarobas d'un travail comme ingénieur du NEPA, moi j'ai visité des concerts avec un plombier, un réseau qui n'a pouli, qui alimentait la ville là actuellement. Et plombier ça, qui continue à dire, lui dit nous, et réseau n'a pas qu'à desservir la ville là. Faut qu'au moins, bon gens, faut que l'État font gens, pour améliorer la situation. Et après étude qui était faite dans la ville, nous avons vu qu'il y a une quantité comme ça t'a demandé pour nous faire amélioration dans le réseau de l'eau. Mais cependant, pas bien la Lascarobas dans ensemble de localités, à part de villes qui entourent. Nous avons dit, comme le proverbe créole l'a dit, bassin en fond, en bien à côté, comme la Lascarobas demande plus comme, en nous font tourner dans la localité pour nous faire un ensemble de travail avant de nous arriver dans la ville. Et tout le temps, nous travaillons comme ingénieur dans la direction générale du NEPA. Dans le financement que le gouvernement Canada avec le gouvernement Japon, le gouvernement haïtien que l'UNICEF a géré pour la NEPA, nous sommes déjà dans la première phase là. Là, nous considérons ces deuxième phase à la là jeudi. Dans la première phase là, nous avons déjà touché quatre communes dans le département Saint-Lan et quatre communes dans le département la Tibonite. Quatre communes, c'est Calasous, c'est Lascarobas, c'est Mirambalet et puis c'est Hench. Si nous considérons Lascarobas seulement, nous avons déjà fait intervention dans le passé sept localités. De concert avec magistrat et Kazek dans la zone, localité ça yo, c'est Lospine, c'est Boapin, c'est Kadido, c'est Flandé, c'est Maché Kassav, avec dans Mat et dans Dal, côté que Dinepa déjà réhabilité 6 réservoirs qui sont de 60 à 80 mètres cubes pour bailler population ça yo qui dans la localité yo de l'eau. Et toute localité ça yo, nous dit là, je dis à yo gen plus passé 8500 moun nan yo qui jwenn de l'eau pour yo boire. Sans pas même besoin citer dans Mirambalet dans localité Trianon côté qui gon réseau qui a marché très bien et comité cap géré là témoigner ça. Donc
c'est ça qui est constitué phase 1 dans la Taobas. Et aujourd'hui, c'est qui 22 janvier 2021, nous avons possédé à lancement phase 2 qui a bien la donne construction de un réservoir métallique de 1000 mètres cubes, côté que nous allons pomper de l'eau qui est dans la source payée, que tout le monde les sources la paix en dans la commune pour alimenter le réservoir ça et enfin vivre la population en dans la ville, la Taobas là de l'eau. Dîner pas seulement dans gros ville. Dîner pas à trouver dans section communale. C'est ça qui fait que tout à l'heure, nous avons nécessité pour nous aller dans la localité Mat pour nous aller inauguration ou bien réalisation première phase partie travail. Et deuxième phase partie travail, je vais vous donner une explication technique pour me dire qui s'allie. Nous avons trois sources que nous allons capter qui totalisent 82 litres par seconde qui prennent de l'eau 24 sur 24. D'abord, PM, c'est sous la paye. Nous allons prendre une partie là-dedans, environ 47 litres par seconde. Nous allons aller au niveau de sous Sénador, côté que nous allons prendre 15 litres par seconde. Nous allons dans la sous Marie-Léo, côté que nous allons prendre 12 litres par seconde. Eh bien, pour nous capables de construire le réseau. Mais grosso modo, PM, ma palo de 24 km tuyau que nous allons mettre en bataille. Contrairement à l'autre secteur, la majorité du travail dîner par eux, c'est en bataille, parce que c'est tuyau. Et tout travail, ça y est, il totalisé environ 8,5 millions de dollars américains que l'État haïtien, à travers le gouvernement, à travers la présidence, son excellence Jovenel Moïse, a réalisé. 24 km tuyaux, un gros réservoir qui a une capacité de 1240 mètres cubes, pas un petit affaire, son gros affaire lié. Même gens actuellement dans la ville Hinch, PM, n'a posé environ 78 km tuyaux en bas terre à la. Travaux ont commencé, nous commençons la construction kiosque. Mais il faut me dire que tout 78 km tuyaux est actuellement entreposé dans une localité qui est le Pandiassou. Eh bien, c'est film Nkatema qui a réalisé. Mais pour la Taobas, nous-mêmes qui avons une possibilité ou bien pour avoir une possibilité de visiter tronçon route entre Hinch et Saint-Raphaël, que une gros entreprise réalisée qui est le Razel, eh bien c'est parti en dans gros compagnie ça Razel qui occupe le affaire de l'eau qui va réaliser travaux ça yo. Et il m'a donné l'opportunité de saluer les ingénieurs de Razel dont pas mal d'entre eux avaient travaillé dans le temps avec la DINEPA au niveau de la réhabilitation de la partie adduction du réseau de la ville de Jérémy. Maintenant, n'a réalisé partie qui vient pour avec distribution réseau de Jérémy avec Bourade coopération espagnole à hauteur de 260 millions de gourdes. Et travaux ça yo éparpillé l'autre côté. En nous prenant un petit exemple, depuis plus que 15 l'année, dans la ville au Cap, qui est la deuxième ville du pays, eh bien, pas de l'eau. En Baterin, Bichat, Cité Benoît, Batraville, Cité Firmin, les riverains de Rue Boyer, Rue Saint-François, Rue Bonnefoy, pour me citer ça seulement, il n'y a pas de l'eau. Mais c'est parce que le système
c'est trop grand monde et il pas fonctionner encore parce qu'il y a un pile fuite de l'eau dans tuyau, ça qui fait grand pile gaspillage dans une ressource qui rare en pile. Ma peine connaît que dans le plateau central, plus précisément dans l'Ascaroubas, nous c'est des mondes qui chanceux. Pour qui ça? Plateau central recevoir entre 1500 et 2000 mm la pluie chaque année, alors que Gonaïve recevoir entre 2 et 6. Zone tant que Jean Rabel, si nous avons ta zone dans Mol Saint-Nicolas, Bédehen, pas gagné toute couverture végétale. Ça. Ça veut dire bravo pour nous, même si nous coupons pile pied bois dans le plateau central, mais nous arrivons qu'un B, il y a une couverture végétale qui est appréciable et moi sorte saisi ouais débit sociaux là tout à l'heure. C'est pour samedi nos chanceux. Tant qu'on pile moun zili et nous connaissons ça déjà, de l'eau, c'est la vie. À travers ces travaux, le gouvernement entend donner à la population de la commune de Lascaroubas l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement. Côté gain de l'eau, il y a des malades ou pas Jean Mouéo là. Des malades ou pas Jean Mouéo qui gagnent Lascaroubas. Parce que ou gain de l'eau est disponible, ou ka bayon, ka laver, rad, ou ka bay bev boue. Et plein utilisation qu'a fait agriculture parce que nous sommes gardés deux parcelles qui plantaient en poids là, c'est extraordinaire et nous besoin nous comprendre qui importance que dîner pas gagné dans le pays. Moi j'ai chance c'est diriger un gouvernement côté passé, je ne sais technicien qui n'ont tête institution. Moi dis son chance parce que n'a pas gardé là, n'a pas le directeur a besoin de mots sur papier pour le parler, tout comme directeur aurait partout. N'a pas gardé maître de cérémonie, n'a pas gardé l'autre jour. Et le l'a fait résumer chaque monde qui vient faire discours dans une grande infrastructure que le président a inauguré Port-au-Prince avant hier. M'a demandé côté le jeune capacité pour le timber toute information ça. Mais c'est parce que son technicien, étant donné le souterrain, et ça l'a fait chaque jour, ça vient tout nos habitudes pour lui, pour le travail comme ça. Et c'est ça que fait me dire nous, son chansonnier, pour mon délégué départemental qui est agronome, en poste politique, même mon technicien qui occupe, ça veut dire l'a bien accompagné tout ça qu'a fait dans le gouvernement. Et l'autre raison qui fait mes chances toujours, c'est parce que moi, j'ai dirigé un gouvernement qui a marché. Comment côté que nous déjà lancé et inscription pour candidats et qui pourraient participer dans l'examen mars et 2021. Donc, nous souhaitions une très bonne participation. Nous demandons pour déjà commencer à faire des préparatifs nécessaires. Donc, pour que vous arriviez inscrit. Il y a une façon pour participer à l'examen et bac permanent, et surtout session et pour récaler, qui a déroulé à partir du mois de mars 2020. Alors pour rappel, nous avons dit c'est tout candidat qui était déjà participé à l'examen baccalauréat, mais qui n'a pas dépassé la période que nous baillons pour ça. Alors, par exemple, nous, c'est 2 ans, et si vous faites 2 ans proposés pour pas passer première année, deuxième année, à partir de troisième année, alors ça, on va le reprendre et toute matière encore. Donc, mais si c'est un candidat qui est en gagnant cette année ou bien qui parle sur deuxième année et qui n'a pas réussi malheureusement, eh bien, il va participer, il aura l'autre chance pour que il réussisse. Et puis, ça qui est essentiel encore, c'est que il va participer dans la matière, il faut qu'on fait moyenne. Matière, il pas faire moyenne, et c'est là-dedans, il va participer. Ça veut dire candidat, ça, il pas de monde qui était dans la salle de classe? Bon, nous capables de pour le mot, alors, pour l'examen, pour le fait là, ou, j'en dis là, c'est ça. Alors, nos premiers temps, il y a dans salle classe. Oui. Il va passer. Oui, il va passer. Et puis, donc, il y aura le reprend, matière, il va passer avec l'examen, ça. Donc, on est en garde et formalité à eux-mêmes qui sont pour remplir, puisque il y a pas dans l'école qui a rempli et formalité administrative qui vous permettent de enregistrer dans le ministère pour y aller composer. Comment pour y faire ça? Alors, premier ça, nous qu'a dit, processus inscription, et l'y lancer au niveau de
toute direction départementale. Et tant que qui ça a besoin et pour y participer, premier bagage, il a besoin fiche pas passer dans la dernière épreuve ou bien attestation ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxième bagage là, il a besoin de deux photos d'identité. Et troisième bagage là, il y a pour ton petit frère de participation de 2000. Et conseil ça a ou bien instruction ça a passé déjà dans le niveau et direction départementale yo, pour y commencer par le processus là. Commencer à accueillir les candidats et qui répondent avec les conditions ça. Quelle inscription a fini là? Inscription a commencé, il a déjà commencé le 20 et janvier qui se passe là et il a fini le 3 février. Moun yo ka passé dans toute direction départementale yo, il y a bien moun qui pour recevoir yo pour aider remplir formalité. Exactement. Une fois alors yo pour ça qui pour la première fois parce qu'on dit ça comme ça parce qu'il y a des candidats qu'on a habitué déjà et participer et son simple bagage a pas envie de arriver dans la direction départementale yo, yo porter tout ça nous là, fiche participation et deux photos d'identité et avec 2000 gourdes, et puis comme ça, dans mon master, il est capable de participer à l'examen. Comme c'est un seul baccalauréat qui vient, qu'on y a, disposition ça, valable seulement pour les philos, j'en dis. Il valable seulement, j'en dis là, les philos. Que vous êtes candidat et dans baccalauréat à Tradel, que vous êtes dans le nouveau secondaire, que vous êtes dans baccalauréat avec maintenant, ça veut dire ça qui est passé déjà. Donc, vous avez possibilité de pour répondre à la condition, il passe pas oublier nous grand quantité d'années qui nous fait qui nous baille aux possibilités puis passe. Après nombre d'années ça yo on commencer à comme dans la vie, à zéro à du pour prendre toute matière dans qui période parce que là on dit timoun a composé seulement dans matière va faire moyen mais sous qui période nous échelonnel parce que là des timoun qui sont dans examen depuis année 2000 2010 de sous qui période n'a fait de considération c'est seul dans matière pas de faire moyen nous a composé alors depuis le baccalauréat permanent li en vigueur li pas la petit monde alors on va pas parler alors yon monde qui était là depuis 2000 ou bien 1998 on voit exemple pour ça qui va devenir dans baccalauréat sous pas jambe basse et bien qu'on y a vin inscrit pour là automatiquement inscrit qu'on y a vin fait partie et toutes conditions yo ou vin ou doit respecter toutes conditions tout une fois fin entré qu'on y a à partir du moment où entré la dame et bien qu'on y a nous considérer 2 ans 1 2 une fois 2 ans passé sous pas qu'on a passé toute matière yo ou pas rejeté non mais sauf matière yo tout à tourner à zéro ou pas reprendre tout. Est-ce que avec disposition ça un élève qui pas passé philo bon si nous avons exemple 2018 2019 un élève qui pas passé philo et s'il toujours intéressé pour le retourner chita à l'école là parce qu'il devait gagner un pile lacune il décide de retourner à le doubler c'est pas nécessaire non tout élève qui voulait à le doubler il n'y a aucun problème non ok il va le doubler m'a dit sauf l'école là lui-même et il pas alors bien entendu il faut pas dire dans 2 ans alors dans plusieurs ans par exemple il y a un monde depuis 1990 98 et 2000 on dit comme ça qui pas passé dans l'examen baccalauréat philo. Alors, faut me dire philo. Il va passer dans l'examen baccalauréat, dans philo. Il va passer en philo. Et puis, et ça veut dire, pas joindre, alors, il est toujours là, mais il va pas passer. Kounia, il voulait à l'école pour la composer, pour la composer. Alors, il va à l'école, normalement. Il a suivre toutes conditions, ça veut dire, l'école là, ça va le demander qu'à, elle a dit, ah, ou t'es composé déjà, et même si m'kembo là, mais c'est inscrit ou pas l'inscrit. Mais on va suivre le coup, on va payer pour ça, on va suivre tout le coup, non, non. Oui. Quand l'examen est arrivé, et puis, on va participer dans l'examen. Donc, pas aucun problème pour un candidat quand il a une lacune, dans matière, pour l'école, pour la suivre. Mais le fait que, et par exemple, candidat va le composer dans toute matière, ouais, ça veut dire, lui, gagne un pile chance, donc, pour le passer. Parce que c'est ça, ça veut pas passer, on va là-dedans. Et là, lui-même, tout, c'est ça qui vient de faire. Li ka prend le coup de rattrapage, li ka fait, li ka l'école sur le coup, mais li pas besoin à sur tout couillon s'il est rentré dans le programme et baccalauréat maintenant. S'il est commencé dans le processus, je nous dis là. Si li pas répond à des conditions, ça ou même laisse là, c'est toute matière li pral prend. En ce moment-là, il est libre pour aller à l'école, pour suivre tout couillon et puis pour faire inscription. Quand on a un petit monde qui défend l'école, et puis, alors qu'il défend en philo, et puis pour être capable de subir l'examen normal. Direction départementale, yo gagné libre arbitre, donc sous méthodologie, yo pourra le mettre en place pour faire ça.
Ça veut dire, et toute zone qui t'a très reculée, et pas oublié, y'a gagné, pas mon côté, et mon département, pas mon seul côté, et pas mon seul côté, j'aime dire là, tout capable de faire inscription, un BDS et plusieurs. Dans plusieurs zones, sauf dans l'Ouest par exemple, il y a plusieurs PDS, mais il y a des principes aussi que le candidat doit respecter qui font faire que le côté fixe, il mette en place pour que il fait inscription. Donc, mais les simples, le fait que il y a un bon délai, si un candidat a un problème un jour, il n'est pas capable de faire une inscrit, eh bien, il y a une possibilité un autre jour. Et c'est ça que fait nous plusieurs jours. Et c'est avec des bagages qui sont très simples. Imaginez-vous, vous soutenez l'examen officiel, vous avez une fiche. Vous soutenez l'examen officiel là, vous avez une fiche. Ou simplement besoin de bout de photo, et puis avec 2000 points, c'est pas gagné, pas un casse-tête, pas un effort pour faire, c'est des bagages qui sont très simples. Et si t'as un problème quelconque, qui empêche de faire le jour d'hier, mais demain appelle, si demain l'empêche, l'autre demain appelle. Donc, et les simples, et toute direction départementale, eux-mêmes, ils ont déjà pris de disposition pour que l'inscription, ils ont démarré, et que les candidats, ils participent d'une façon pour yo a subi épreuve et baccalauréat et cap fait dans mois mars pour les recaler. Présentement c'est venir garder rue venir garder rue Chaïron qui nous est déplorable depuis le retournement et pas de accès. Donc on essaie où ça gain deux gros institutions qui la donne, gain EDH qui la donne, gain centre gestion qui la donne. Et hier on réunion de fête entre des GDH ingénieur Michel Présumé, avec Dr. Pape qui est responsable centre de gestion avec collaboratrice. Et nous avons dit comment pour nous faciliter l'écoulement d'eau en fait et réhabiliter le tronçon route Chariron qui compris entre magasin de l'État et Aritouman. En même temps, pendant que nous avons parlé, Dr. a dénoncé des bagailles. Et comme responsable et AN et il a commencé plein en dedans à Yopoland, c'est 400, tout le monde de gain test voyager, et c'est 400 tests qu'on fait par jour, de profiter, de battre question ça avec Dr. Pape. Et en même temps, il parlait des efforts qu'on fait, c'est des jeunes, notamment des filles, qui n'ont pas ministré là, avec les gays ici. Hein. Pour moi, l'ensemble des bâtiments qu'on fait dans le pays, on est intéressé à développement, pour nous partager la population, pour tout le monde, pour gagner information ça. Et pour nous voir comment payer ça, pour nous proposer ensemble, pour nous permettre d'aller vers là. Bon, on y a là, l'écrit déjà un an pour l'écrire l'IO, pour qu'on ait un souci pour deux semaines au moins, pour faciliter le secteur santé, joindre moyen pour faire ça. On va rentrer avec lui, on va revenir avec lui, et comment pour nous aller vers l'avant. Bon, parce que c'est une visite qui est très importante parce que nous dans la zone là, surtout avec EDH, deux institutions qui étaient, comme on connaît tout, on a abandonné la zone là. Et pendant longtemps, c'est une zone, c'est chaque jour, tu es tiré, tu es ceci, tu es cela, ben, qui t'a farouché patient, parce que ici là, c'est plus grand centre sida qui gagne, c'est plus grand centre tuberculose qui gagne. Nous avons également très grand centre pour maladie cardiaque ici en tout. Nous avons également un centre pour femmes violées. Et en plus de ça, nous avons sur les santé globales, nous avons microcrédit, nous avons l'école professionnelle, nous avons l'école primaire, etc. Donc c'est un tout que lié, c'est sur les santé globales. Donc nous sommes très contents, présence ministre là, présence également directeur DH là, parce que, et, comme nous disons toujours, voisin c'est première famille. Donc c'est nous qui à côté là, c'est là que nous y sommes pour bien-être population. Et nous sommes très contents de visiter là, très contents de voir. Ouais, qui activité qu'a fait ici hein? Et tout à l'heure pas saisi pour voir côté il y a une fille à travail à faire des meubles qui plus belles que sont là très rapidement et nous gain capacité avec le laboratoire national pour nous faire toutes tes demandes. Le problème qui gagne hein, c'est que sont demandes qui viennent arriver rapide le pays étranger yo, qui viennent augmenter volume non parce que jusqu'à présent nous t'ai fait tes pour patients. Nous avons fait test pour nous qui est en contact avec le patient et puis nous fait test tout pour nous suivre la progression épidémique. Même pas besoin de faire test pour voyageurs. Quand il y a là, il y a 32 000 voyageurs qui viennent ajouter sur l'isla. Donc ça fait un bail considérable. Ce bail qui n'est pas prévu dans le stock. Nous. Et ce bail qui vient arriver, bride sous coup. Donc ça veut dire que faut nous chita avec le ministère de la Santé, ça l'a fait déjà, avec le secteur privé, avec tout le monde qui est intéressé. Pour que nous soyons capables d'offrir mon mieux service. Nous connaissons nos cafés,
Mais si au ban nous on bourade pour premier 3 mois, de façon que nous avons commandé, il faut que vous faites vite, parce que tout le monde qui est là a commandé, et compagnie ne doit pas répondre à la demande. Donc si nous-mêmes, il y a 3 mois que nous avons été sûrs, nous n'avons pas répondre à besoin pour vous. Les tests antigéniques, là, sont tests faits à partir de sang et qui déterminent vraiment où partie virus là, sur gain. Ce sont tests rapides, ce sont tests 15 minutes que liés. Et il y a 2 et compagnies que OMS, Organisation Mondiale de la Santé, dit ces 2 compagnies ça, qui font le meilleur test. Maintenant, ce n'est pas le meilleur test, parce que les bons, l'on a des symptômes. L'on a des symptômes, l'on est correct. Mais l'on n'a pas des symptômes, on a un pile faux positif quand on faux négatif. Par contre, les tests PCR là, sont des tests qui sont plus compliqués. Son test, par exemple, le laboratoire qui a fait lui, mais le laboratoire national avec jusque nous toujours travaillons main en main, donc nous avons des capacités pour le faire lui. Et il y a l'autre laboratoire tout que nous avons rentré la dernière. Et il y a l'autre PCR qui vient plus simple que nous venons proposer. Et c'est lui-même que, comme l'aérien n'a pas demandé un PCR, ça aurait les meilleures qualités. Hein. L'autre là s'ouvre son petit frère que lui. Et petit frère ça, il n'a pas demandé un pile de bourre. Donc, nous sommes capables de jouer une machine, nous sommes capables de former monde, etc. Et moi, voilà, Dani, malheureusement, il y a une possibilité pour que nous augmentions le plateau technique, tout laboratoire, laboratoire privé, laboratoire public, etc. C'est une opportunité pour nous pour le faire. Et nous avons aide Centers for Disease Control, CDC, Agence Panaméricaine de la Santé. Donc, tout le monde s'est appelé nous. Et nous avons le secteur privé à manifester. Désir pour l'aider tout parce que lui-même n'est pas bloqué non plus. Et imaginons que l'aéroport n'a pas qu'à fonctionner, tout secteur ça est payé en bloqué. Donc l'idée par nous, c'est que nous t'arrêtons que l'activité continue et que tout le monde est capable de mener l'activité normalement, que ce soit étranger qui a pu entrer en Haïti ou bien ou haïtien qui a pu retourner dans le pays ou bien qui a parti l'autre bord. C'est nos batailles, nous y est. Nous pas qu'à privé, pas qu'à public. C'est tout le monde qui vous met main jusqu'à ce que nous sortions dans le problème ça. Et c'est ça que je m'ai toujours dit, lorsqu'on catastrophe qui arrivait, ou pas qu'à garder, ça c'est public, ça c'est privé. Si nous pas été ensemble, quand nous avons été fait pour Corona, nous pas capables de remplir de demande ça. Donc, ça nous demandait, c'est que nous demandait que aider nous pendant 3 premiers mois pour nous capables de commander ça dans le besoin. Une fois que ça dans le besoin, nous avons chargé un coût qui est un coût normal, ce n'est pas un coût excessif. Mais c'est pour le permettre nous capables de continuer. Parce que si on fait un bail gratis tout le temps, au moment la camper. Par exemple, ouais, pour patient, c'est gratis tout faire, ça fait nous pas de réserve. Donc jusqu'à présent, soit aller pour son patient, il a fait ça gratis pour. Pour y là, pour laboratoire privé, il faut entendre un coût normal tout, pour que yo même yo qu'a fait profit par eux, mais sans que yo pas tuer les gens qui ne peuvent pas faire ça. Donc ça veut dire que gomba pour faire, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde sur le gagnant. Et que pays en sous derrière. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour le capable joindre nous. Son babi zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.